Allez, mettez-vous en place. Une seconde. Mais c'est la dernière t'as fois pas que intérêt à me toucher ce coup-ci. Oh, je crois que je fais une indigestion de fromage. Et maintenant, le champion va tenter de battre le record du monde. Il va s'élancer sur la rampe pour survoler 3 tortues mutantes. J'arrive toujours pas à croire qu'on soit laissé entraîner là-dedans. Bouyakasha ! Je peux savoir ce qui se passe ici. Maître Spindle. Combien de fois vous ai-je dit de ne pas faire de planche à roulettes à l'intérieur? Jamais, maître. Parce que je ne devrais pas avoir à vous le dire. C'est vrai, vous avez raison. Nous aurions dû savoir qu'il ne fallait pas. Et nous méritons une punition. Toute petite. Et selon toi, quelle punition serait la plus appropriée? Eh bien, je ne sais pas, on pourrait ranger tout notre bazar. Et puis... On pourrait méditer sur notre bêtise. Oui, on a eu tort de faire ça. Et je suis d'accord. Et si je vous privais de sortie pour une semaine? Non, je doute que ce soit... Et c'est rien contre l'idée, mais... C'est pas nécessaire, franchement. Non, pour ça... Vous êtes privé de sortie cette semaine. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça joue de la polka! Arrêtez-moi ça! Merci. J'ai pas besoin de voir ça. Je vais faire un tour. Raphaël, où est-ce que tu vas? On est privé de sortie. Ça m'est égal. Il faut que je m'occupe. Sinon, je vais devenir dingue. Allons trouver un spot de skate. Un spot de skate? Oh, super idée, je te suis. Et Maître Splinter, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne sais pas ce qui se passe, car ils sont partis en douce pendant mon sommeil. Ah, c'est vraiment mature, ça, y a pas à dire. Moi, je suis le chef de la bande, et en tant que tel, je décide que personne ne sort. Eh bien, en tant que membre de la bande, on décide de sortir quand même. En tant que chef, je vais venir avec vous, car je suis censé veiller sur vous, et aussi montrer l'exemple. Ça joue à nouveau de la polka. Il va falloir mettre d'autres chansons, pas moyen. Ajoutez tous ces nouveaux morceaux! Hein? Quels nouveaux morceaux? Eh, parlez moins fort, vous deux! Ça alors? Mais il y a des milliers de morceaux là-dessus! Il en télécharge des dizaines par seconde! Et alors? Et alors, je ne l'ai pas programmé pour ça! On dirait qu'il se reconfigure automatiquement! Ah, ça doit être la micropuce! Peu importe ce que c'est! C'est trop cool! Les gars, on est des ninjas, vous vous rappelez? On est censé se déplacer sans attirer l'attention. Ça veut dire qu'on doit rester discret. Ça travaille! Hé Léo, c'était pas vraiment discret ça! Monte tes genoux, Leonardo. Pas assez en extension, Michelangelo. Raphaël, tu appelles ça un Go-Tenkai? Parce que moi, pas. Yamé! J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Et qui ça, nous? Vous cachez quelque chose? Enfin, bien sûr que non. Je vous trouve bien fatigué. Pas du tout. On a la pêche. On pète la forme. Donc vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que l'on fasse un randori? J'espère que vous retiendrez la leçon, mes quatre fils, à savoir qu'il n'y a pas que la vérité qui blesse. Je vous répète que pour un ninja, tout peut servir d'arme. Qu'attendez-vous de nous, au juste? Je veux que vous sortiez de votre zone de confort. Échangez vos armes! Regardez, je suis Léo. Les gars, chut, faites un peu moins de bruit.
Un ninja ne fait pas de bruit. Alors, silence. Je ne ressemble pas du tout à ça. Bien sûr, c'est pour ça qu'on rigole. Parce que tu ressembles pas du tout à ça. En position de combat. Hajime! Yame! C'était vraiment pas terrible. Vous échangerez vos armes avant chaque combat. Ça vous obligera à être débrouillard et polyvalent. C'est moins fastoche que tu croyais. Oh, ça va, j'ai pigé le coup. Aïe! Oh oh, j'ai un texto de vous savez qui. J'ai un texto de vous savez qui, sauf Mikey. Le pulvériseur nous informe du prochain coup des foot. Tiens donc, il est capable de se rendre utile. Oui, mais il ne peut pas rester avec eux, ils vont le griller. C'est de l'info de première main, Denis. Ça vaut le coup de prendre le risque. Sauf que ce n'est pas nous qui prenons ce risque, c'est le pulvériseur. Je sais bien, c'est la configuration idéale. Très bien, on va aller au rendez-vous et aider ce pauvre garçon à prendre le large. Ouh, je suis là. C'est moi qui ai les sabres. C'est moi qui décide maintenant. Tout comme Léo a dit. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout... Ah, salut les gars, vous avez reçu mon message. J'ai des infos sensationnelles, vous allez halluciner. Super, tirons-nous d'ici immédiatement. Rectification, on se tirera d'ici dès qu'on le pourra. Reste bien derrière nous et... À l'aide, ce sont les tortues, elles m'ont capturé. Quoi? À l'aide. Désolé, je soigne ma couverture. C'est pas cool, mec. Déployez-vous. C'est moi qui ai les sabres et je dis, bah t'es en retraite. C'est pas parce que t'as les sabres que t'es le chef. Mais c'est pas une mauvaise idée, bah t'es en retraite. Wow, fais gaffe avec tes nunchaku. Tu peux parler. Pardon, j'ai pas fait exprès. On n'y arrivera jamais. On change les armes. C'était du mutagène. Les foot ont volé du mutagène. Shredder a du mutagène. C'est pas une bonne nouvelle. Ainsi, vous avez décidé de vous passer de mes conseils. Maître, on ne comprend pas. En quoi est-ce qu'échanger nos armes va nous aider au combat? On se débrouille très bien comme ça. Vous n'avez pas compris ou vous ne voulez pas comprendre le but de la leçon. Vous apprendrez donc à vous adapter à la dure en n'ayant recours à aucune arme. Allez, remettez-moi vos armes. Vite. Je vous ai botté la carapace et je n'ai même pas utilisé le canon laser. Admettez-le, les gars, avec ce robot, je suis invincible. Ah ouais? Tu vois très bien ce que je veux dire. Maître, je vous demande la permission de tester Tête d'Acier en surface ce soir. Accordé. C'est totalement injuste. Vous ne pouvez pas m'interdire de... Hein? Quoi? Tu t'es fabriqué une nouvelle arme. C'est important de la tester. C'est génial! Merci, Sensei. Mais ce n'est que pour un galop d'essai. Je t'interdis de l'envoyer au combat, compris? Comptez sur moi, maître.
T'as l'intention de l'envoyer au combat, pas vrai? Carrément! Doit-on faire demi-tour? On déclenche toutes les alarmes sur notre passage. Moi, ça me gêne pas. Ça s'harmonise bien avec les sirènes et les appels au secours. Ah, j'ai compris, vous êtes jaloux. Parce que vous vous gelez la carapace pendant que je déguste la dernière part de pizza de Mikey. Hey! Ow! Chut, taisez-vous, il y a quelqu'un qui vient. Hey, les gars, vous êtes là? C'est April! Enfin, je vous ai cherché partout. Bah, il fait quand même moins de bruit que Donatello. Qui peut m'expliquer ce que c'est que ce truc? C'est la dernière invention géniale de Donnie. Tête d'acier. C'est un nom accrocheur, pas vrai? C'est moi qui l'ai trouvé. Je suis désolé, April. Je ne maîtrise pas encore tout à fait les commandes. Pardon? J'ai enclenché le mégaphone par erreur. En route! Ouais, on va leur planquer une verrouillée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donnie, je veux que tu restes en retrait. Tête d'acier est trop maladroit, il risquerait de nous gêner. Maladroit? Moi? Je l'ai fait exprès pour exprimer mon désaccord. Je t'interdis de nous suivre. Non! J'ai perdu le contrôle à distance. Qu'est-ce qu'il fait, ce Krang? Oh oh, les gars, est-ce que vous m'entendez? Fuyez, vite! Oh, tu vas marcher, oui! Peut-être que si je déconne... Donatello, ce n'est plus le moment de jouer à des jeux vidéo. Oh. Vous avez raison. Mes frères ont besoin de moi. Attends! Prends ça. Donnie? Ouah, quelle entrée, ça fracasse! Je m'occupe de Tête d'acier. Chargez-vous des crans. Bouyakacha! Ça fait bizarre quand c'est lui qui le dit. Pas plus bizarre que quand c'est toi. Qu'est-ce qui te chagrine, Donatello? C'est entièrement de ma faute, maître. Oui, tu es responsable de ce qui est arrivé. Je sais. Tu as détruit les réserves de mutagènes. Tu as sauvé les habitants de cette ville d'un sort funeste. Et tu as vaincu une technologie extraterrestre en ayant seulement recours à ton ingéniosité, à ta bravoure et à un bâton. Merci, maître. Vous avez raison. Évidemment. Il faut croire qu'avec un peu d'entraînement, rien ne vaut un bon vieux bâton de bois. Oh, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Fuyez!